Bonjour les CP, bienvenue pour une vidéo de lecture. Alors nous allons commencer à travailler à partir d'un nouvel album que tu découvriras tout à l'heure. Pour l'instant, un petit échauffement de lecture avec quelques révisions. Alors voici une lettre. Peux-tu me dire quelles sont elles faites? Si tu as besoin de réfléchir, tu appuies sur pause. Ça y est, tu as trouvé? C'est la lettre qui fait le son T. Voici une autre lettre. Peux-tu me dire quel son elle fait? Elle fait le son T. Voici une autre lettre. Peux-tu me dire quel son elle fait? Elle fait le son F. Ici, cette lettre, elle fait le son V. Ici, cette lettre, elle fait le son L. Cette lettre, elle fait le son D, avec le point dans le dos. D. Ici, cette lettre, elle fait le son M. Cette lettre, tu as bien trouvé, elle fait le son R. Cette lettre, alors cette lettre est un peu plus compliquée, elle peut faire deux sons. Est-ce que tu peux me donner ces deux sons? Ça y est, tu as trouvé? Elle fait le son S devant le E, le I et le Y, et elle fait le son Q devant le A, le O et le U. Et cette lettre, elle aussi, elle peut faire deux sons. Réfléchis bien. Alors, elle peut faire le son S ou bien elle peut faire le son Z. Alors, passons à des sons un peu plus compliqués. Il leur faut deux lettres mariées entre elles pour les faire. Alors, ici, quand ces deux lettres sont mariées ensemble, quels sons font-elles? Ça y est, tu as trouvé? Elles font le son on. Ces deux lettres mariées entre elles, elles font le son un. Ces deux lettres, elles font le son e. Ces deux lettres, elles font le son, tu t'en rappelles, wa, comme dans roi. Ces deux lettres, tu te rappelles, elles font le son E. Ces deux lettres, comme dans le loup, elles font le son OU. Ces deux lettres, elles font le son EN. Ces deux lettres, elles font le son E. Ces deux lettres, je te rappelle, elles font le son Q. Et enfin, ces deux lettres mariées, elles font le son E. Comme tout à l'heure, nous avions le son E. Ces deux lettres, ces deux petites affichettes là, font le même son. La lettre E avec la lettre T, ça fait le son E. La lettre E avec la lettre R, ça fait aussi le son E. Alors, à toi de réviser tout seul à nouveau. Appuie sur pause et nous corrigeons après. Voilà, tu as réussi à tout lire à nouveau? Alors, je le fais avec toi. T, P, F, V, L, D, M, R, S. Ou bien z, s, ou bien k. Un, e, 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 k, wa, ou, en, on, et. Alors maintenant, quelques syllabes. Je te laisse les découvrir tout seul, appuie sur pause
et nous corrigeons ensuite. Alors, ici, tu as trouvé prin, ment, pou, voix, foi, mon, vous, trou, mais, vrai, t'es, qui, les, v, par, t, tout, cri, qu'est, et ici, s, comme dans maîtresse. Alors, après toutes ces révisions, tu dois pouvoir lire tout seul maintenant ces quelques mots. Je te laisse appuyer sur pause pour les travailler tout seul et nous corrigeons après. Voilà. Alors, on le lit ensemble. Prince. Princesse. Épousée. Seulement. Vrai. Tour. Monde. Trouver. Critiquer. Alors, maintenant que nous avons bien révisé tous ces sons, que tu es bien échauffé, voici une première phrase. Je te laisse appuyer sur pause pour essayer de la lire tout seul et nous la corrigeons ensuite. Allez, c'est parti. Tu as trouvé? Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Alors, voici une deuxième phrase. Je te laisse appuyer sur pause pour pouvoir la lire tout seul. Ça y est, tu as réussi? Alors, corrigeons ensemble. Seulement, voilà, il voulait une vraie princesse. Seulement, voilà, il voulait une vraie princesse. Voilà une troisième et dernière phrase pour aujourd'hui. Je te laisse appuyer sur pause pour la lire tout seul et nous corrigeons ensuite. Très bien, tu as réussi? Allez, corrigeons ensemble. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une, mais partout il critiquait et critiquait. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une, mais partout il critiquait et critiquait. Voilà, alors je suppose que tu as deviné de quelle histoire il s'agissait. Voici la couverture de l'album. Je te laisse lire le titre tout seul. Ça y est, tu as trouvé? La princesse au petit pois. Voilà. Alors, pour terminer, je vais te laisser un petit travail. Et tu me donneras ta réponse dans les commentaires de l'article du blog. Alors, sur cette image, regarde bien, que fait le prince? Tu dois répondre à cette question en utilisant trois étiquettes. Voici les trois étiquettes que tu dois utiliser.
Alors, tu dois écrire une phrase en utilisant ces trois étiquettes. Nous les lisons ensemble, si tu veux. Prince cherche princesse. Alors, tu dois essayer d'écrire cette phrase en ajoutant des petits mots et en utilisant ces trois mots que nous venons de lire ensemble. Prince, cherche et princesse. Tu répondras donc à cette question dans l'article du blog en utilisant les commentaires. Tu me taperas ta phrase que tu as trouvée et comme ça je pourrai voir et corriger. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.